tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais tester vos recettes de slime. Donc pour ça, j'ai pris trois recettes de slime au hasard. Donc pour la première recette, je vais avoir besoin de gel pour les cheveux, savon pour les mains et de sucre. Donc je commence par mettre du gel pour les cheveux. Donc c'est un gel pour les cheveux que j'ai acheté chez Action, pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, j'ajoute du savon pour les mains. Donc ça, c'est du savon pour les mains que j'ai eu chez Lidl. Ensuite, ça c'est facultatif, mais je vais ajouter un petit peu de gouache de chez Cléopâtre. Donc je vais déjà mélanger cette préparation. Et ensuite, je viens y ajouter du sucre petit à petit. Donc, une fois que c'est fait, je dois laisser reposer ma préparation pendant 24 heures. Donc, ce n'est pas dit où, donc je pense que je vais la mettre au réfrigérateur. Et ensuite, on verra à la fin de la vidéo si cette recette a fonctionné. Donc, pour la deuxième recette, je vais avoir besoin de shampoing Palmolive et de sel que je vais devoir ajouter petit à petit. Donc, je commence par mettre mon shampoing. Et ensuite, j'ajoute tout simplement le sel petit à petit. Donc ça a l'air de s'épaissir au fur et à mesure que j'ajoute du sel. Donc ça c'est plutôt sympa. J'espère que ça va nous donner une recette qui fonctionne. Donc je vais y ajouter un tout petit peu de peinture acrylique couleur or. Et ensuite, je vais devoir laisser reposer ma préparation pendant une nuit au réfrigérateur. Deuxième recette, je vais avoir besoin de gel et de shampoing Elden Shoulders. Donc je commence par mettre mon shampoing. Ensuite, j'y ajoute le gel pour les cheveux. Et j'ai décidé de mettre un petit peu de peinture acrylique bleue pour avoir un petit peu de couleur, pour que ça soit plus joli. Ensuite, je mélange le tout et je laisse reposer toute une nuit au réfrigérateur. Voilà, maintenant on va se retrouver tout simplement demain. Pour vous, ce sera tout de suite, mais pour moi, ce sera demain pour la suite de la vidéo. Donc, me revoilà après 24 heures. Et pour la première recette, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est tout liquide. Alors, je vais remélanger un peu car dans le fond, c'est un petit peu plus dur comme il y a, je crois qu'il y avait du sucre. Le sucre est retombé. Ça reste très liquide, mais c'était écrit que si ça ne se formait pas, il fallait ajouter un petit peu d'huile. Donc je vais essayer et on verra ce que ça donne, s'il y a une réaction ou pas. Donc moi c'est de l'huile de tournesol que je mets, c'était marqué n'importe laquelle. Donc pour la première recette, ça n'a pas fonctionné, donc c'est un gros fail. On va passer à la deuxième recette, qui est ici. Donc là, on va la vérifier.
on a l'air d'avoir obtenu quelque chose. Bon, c'est assez collant, mais ça y ressemble en fait. C'est peut-être une recette qu'il faut essayer de retester autrement. Ça ressemble un peu à un Barry Slime, mais en plus collant en fait. Ah, c'est dommage, on était vraiment pas loin. C'est dommage que ce soit si collant que ça. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne recette que je peux pas forcément valider, mais qui y est presque. Donc on va peut-être essayer de travailler sur celle-ci et de voir si on peut trouver quelque chose de bien pour obtenir un bon slime. Donc là, je vais essayer de remettre ma préparation dans le bol, qui est déjà très élastique. Moi, je trouve ça assez dommage. Et ensuite, je vais essayer d'y remettre un petit peu de sel pour voir si ça change quelque chose. Donc écoutez, ça a l'air de rester pareil en mettant du sel. Donc donnez-moi vos idées en commentaire, on essaiera de finaliser cette recette. Nous allons passer à la troisième recette. Donc pour la troisième recette, comme vous pouvez le voir, c'est tout liquide. Donc c'est un fail. Donc voilà, nous avons vérifié les trois recettes. Pour moi, la plus concluante reste la deuxième recette, celle qui a la peinture dorée. Et franchement, je pense qu'on est vraiment pas loin d'obtenir un slime ou quelque chose qui y ressemble. C'est vraiment dommage. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!